J'ai dit, nous avons commencé à fermer des bases au nord, nous allons donc progressivement fermer, dans un exercice qui va prendre 4 à 6 mois, les bases qui sont présentes au Mali. Pendant ce temps, nous allons déployer des forces importantes, fois logistiques et de sécurisation de notre retrait, de même que nous allons continuer d'assurer les missions de sécurisation de la MINUSMA. Change depuis plusieurs mois, tant au niveau politique qu'opérationnel. Il y a un changement de logiciel que nous avons amorcé il y a à peu près 2 ans, qui est de dire on est beaucoup moins sur des bases installées, beaucoup plus en coopération étroite et en soutien des armées africaines. L'inflexion qui est portée par nos décisions de ces derniers jours, c'est que le cœur, si je puis dire, de cette action ne sera plus au Mali, mais sera au Niger, toujours dans la zone des 3 frontières, et je dirais de manière peut-être plus équilibrée, répartie entre tous les pays de la région qu'ils souhaiteront. Nos attentions diplomatiques, il était tout d'abord important d'adresser... Ces mercenaires sont présents depuis des années en Libye pour prélever les ressources et ce qui doit revenir au peuple libyen. Ils sont en train d'ailleurs de le quitter. Et ils sont présents depuis plusieurs années en République centrafricaine avec des exactions terribles contre les populations civiles qualifiées par les Nations Unies. Et ils arrivent au Mali avec des finalités prédatrices. Mais pourquoi ? Parce que la junte qui est au pouvoir au Mali, après 2 coups d'État, considère que ce sont les meilleurs partenaires qu'ils peuvent trouver pour protéger leur propre pouvoir, pas pour lutter contre le terrorisme. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé, en effet, ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement hier. Et ce discours, d'ailleurs, vient parfois frapper des dirigeants. Plusieurs ici ont eu à le vivre en Afrique. Et donc nous avons besoin aussi de nous armer, car l'information, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer et en faire des instruments de guerre ou d'opposition politique. Président, merci beaucoup pour cette opportunité. But clearly, the political circumstances in Mali today have made it necessary for the French and European partners to rethink the nature of their involvement and assistance in the fight against terrorism. The epicenter is Mali, in Mali and the neighboring regions. We support this reformulation and the rethinking, but the decision essentially is that of the French and the European partners. Considérant les situations nouvelles au Mali, nous comprenons cette décision prise par les autorités européennes et françaises de ne pas poursuivre leur intervention sur le théâtre malien compte tenu des situations nées un peu de 2 coups d'État et des difficultés qu'il y a entre autorités maliennes et autorités européennes sur les opérations en cours. Alors nous en avons pris acte, mais surtout nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le Sahel, contre le terrorisme au Sahel, ne saurait être la seule affaire des pays africains.